Les perspectives s'annoncent prometteuses pour le secteur agro-pastoral et halieutique ivoirien. Dans le cadre d'une tournée qu'il effectuait la semaine dernière sur le continent asiatique, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, a rencontré le 27 mai à Tokyo, au Japon, son homologue japonais Ichiro Miyashita. L'émissaire du gouvernement ivoirien a saisi l'opportunité de ces discussions pour présenter au ministre japonais de l'Agriculture, des Pêches et des Forêts les niches d'investissement à exploiter dans les secteurs agro-pastoral et halieutique en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, Sidi Timoko Touré a soumis des doléances à son hôte japonais, s'agissant notamment de l'acquisition d'un bateau de recherche et la construction d'un débarcadère à Grand Bérébi. Ichiro Miyashita a tenu à rassurer son interlocuteur de la disponibilité du Japon à se tenir aux côtés de la Côte d'Ivoire dans divers domaines de coopération et particulièrement en matière de développement agro-pastoral et halieutique.